Bonjour, bienvenue à ce Facebook Live du dimanche 29 mars 2020, en mode coronavirus, toujours en version décentralisée. À travers ce temps de crainte, de peur, notre Seigneur demeure un refuge. On peut toujours se confier en lui. C'est vraiment un rempart et c'est lui qui est notre consolation. Je vais vous lire un passage. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Oui, alors qu'on a l'impression que notre monde s'effondre, que notre civilisation est un peu shakée, un peu ébranlée, le Seigneur est notre rempart, notre refuge. C'est lui qui va être notre consolation. Et je vous laisse avec Jean qui va vous amener la louange. Merci, Fred. Et oui, Dieu est notre refuge. Dieu est une forteresse pour nous. Ça vaut la peine de se confier en lui. Il est notre force. Chaque jour, je me confie en toi. Alors, chantez avec moi, fort et puissant. Chaque jour, je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant. Dieu ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entoure, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est possible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Rien ne peut, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ.
Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut, oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 encore. Oh, le Dieu est fort. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Whoa, 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 Dieu, tu es. Yeah. Whoa, whoa. Amen. Ça, c'est notre Dieu fort et puissant. Ça vaut la peine. Notre force, notre appui. On peut se confier en lui. En Jésus seul. Hein, en Jésus seul, notre espérance. En Jésus seul, mon espérance, ma lumière, ma force et mon chant sur fondement. Il ferme appui, il me protège et me conduit. Quel grand amour, quelle paix profonde. Il prend mes peurs et mes douleurs. Mon réconfort, mon absolu. Dans son amour, oui, je demeure. Oh, Jésus seul. Plénitude, il vint sur terre, s'est incarné. Ce don d'amour fut rejeté par les gens qu'il venait sauver. Sa mort en croix m'a délivré de la colère, m'étant voué. Il a porté mes péchés, oui, par la mort de Christ, je vis. Dans un tombeau, il fut laissé, par les ténèbres fut entouré. Mais au matin, au jour glorieux, hors de la tombe il est monté. Mon maître n'est plus le péché, mais le glorieux ressuscité. Je suis à lui, lui appartient, racheté par son précieux sang. Fini la crainte, à moi la vie, par la puissance de Jésus-Christ. Il conduira ma destinée pour mon
survivre à tout âge, on sait. Aucun pouvoir ni volonté de s'aimer pour m'arracher. Tu es pour moi, qu'il soit loué. En son amour, je resterai. Aucun pouvoir, ni ma volonté, c'est même pour m'arracher. Dieu est pour moi, qu'il soit loué, en son amour je resterai. Ah Seigneur, merci, en ton amour, je vais rester tout le temps, Seigneur, merci. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh, rien d'autre que toi, c'est mon espérance. Rien d'autre que toi, mon appui dans ma vie, c'est. Viens m'aider, Seigneur, à ce que toi, tu sois toujours mon rocher, mon appui. On recommence. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Ah, dans l'orage, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur de tout. Tu es en contrôle de toutes choses, gloire à toi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et son blâme devant son trône. Ah, quel privilège, hein? On va être devant toi pour toute l'éternité, Seigneur Dieu. Maintenant, on a des craintes, Seigneur, face à ce qu'on vit. On te les confie. On veut se confier en toi.
Merci que tu apaises nos cœurs. Mais un jour, Seigneur, il n'y aura plus de crainte. Un jour, on va être avec toi. Plus de blâme, plus de pleurs, plus de grincements de dents. Quel privilège, oh Dieu. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de cette justice et sans blâme devant son trône. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Oh Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur. S'effondrait devant moi. Tu vois, tu restes là. Tu es pour moi. Oh. Seigneur, je t'adore, je t'aime. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, ô Jésus. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Sois loué, rien ne peut nous séparer. Oh, merci, notre avenir est en surmain, entre tes mains, Jésus, quel privilège. Oh, je me prosterne devant toi, encore une fois, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. À toi, je veux me fier, me confier toujours. Tu as gagné sur la mort. À la maison, prenez le temps de louer Dieu à voix haute, maintenant. Louez-le. Louez-le de tout votre cœur. Dites-lui que vous l'aimez, parce que lui vous a aimé d'un grand amour, l'amour impossible d'être plus grand. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On sait où est notre avenir, on sait que ça va être merveilleux. Entre-temps, on a des choses pas faciles.
si la lune me glace et le soleil me menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Ah, on va recommencer. Mon secours est en toi, quel privilège. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul et ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai, oh toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux
sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Seigneur, merci. Ah, oh, quel privilège. Quel privilège d'avoir le secours en toi. Ah, Seigneur, tu es là maintenant. Tu es là avec nous. On te demande d'être avec nous aussi cette semaine qui s'en vient. Qu'on puisse goûter ta présence, ta paix, ton réconfort. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand je suis affligé, cœur est troublé, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là, tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier en toi, Seigneur, tu es là. Quand mon fardeau est lourd, quand j'ai besoin d'être réconforté, Seigneur, tu es là. Oh, merci. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Qu'on a besoin d'amour, de paix, de compréhension. Quand on vit l'affliction, merci d'être à nos côtés, de nous accompagner là-dedans. Merci. Quel privilège on a que tu sois pour nous, Seigneur Dieu. Ah, Seigneur, tu as dit, ne crains pas, petit troupeau. Et tu as dit,
que tu nous donnes ta vie. Quel privilège, Jésus. Que tu nous donnes ta présence maintenant. Que tu nous donnes ta présence dans ces moments pas faciles. Envoie-la à toi. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Oh, oh, oh. Sois-tu. Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble à te louer, Seigneur Dieu. Quel privilège. Merci qu'avec mes frères et sœurs, on peut s'adresser à toi dans la louange, dans notre attente de toi. On peut se confier en toi, Seigneur Dieu, ensemble, apprendre à se reposer sur toi maintenant. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. À cause de Jésus. Amen. Merci, Jean. Juste avant de passer à Gilles avec son message, j'aurais deux courtes annonces. D'abord, toutes nos activités de Pâques ont été annulées. Étant donné les circonstances, on n'avait pas le choix. Deuxièmement, pour ceux qui veulent continuer à donner, j'aimerais prendre le temps de présenter notre outil de don en ligne ainsi que les différentes manières dont les gens peuvent continuer à donner pendant ces circonstances exceptionnelles. Dernièrement, on a ajouté un outil de don en ligne. Nous utilisons la plateforme Simplique et, sans mauvais jeu de mots, c'est plutôt simple. Un seul formulaire à remplir. En plus, il n'y a pas de frais pour l'Église, donc la totalité de votre don va à l'Église du Lac-Saint-Louis. Donc, un formulaire simple. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don mensuel. On vous offre différents montants, mais vous pouvez aussi entrer un montant de votre choix. On vous demande vos coordonnées, votre numéro d'enveloppe. Vous avez l'option de détailler votre offrande ou non. Par la suite, vous avez l'option de donner un pourboire à Simplique pour payer leurs frais. Mais ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez donner 15, 10, 5 % ou même 0. Ça, c'est pour ceux qui voudraient donner par carte de crédit. Nous avons aussi d'autres options. Les membres des Jardins qui voudraient donner par virement bancaire, utilisez le bouton « Contactez-nous » directement sur le site web et on va vous transmettre les informations. Pour ceux qui voudraient utiliser le virement Interac, c'est aussi possible de le faire en utilisant l'adresse financesdulacsaintlouis@commercial.gmail.com. F-I-N-A-N-C-E du Lac Saint-Louis, tout dans un bloc, @commercial.gmail.com et utilisez comme mot de passe offrande au singulier, O majuscule F-F-R-A-N-D-E. C'est plus simple si tout le monde utilise le même mot de passe. Finalement, ceux qui voudraient continuer de donner par chèque, vous pouvez le faire en envoyant votre chèque par la poste directement à l'adresse de l'Église. J'aimerais terminer en remerciant ceux qui ont toujours à cœur de donner pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dans la région de Châteauguay. Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour cette générosité de tes enfants, Seigneur, envers ton œuvre ici à Châteauguay. Permets que, de notre côté, on puisse administrer ces dons pour faire avancer ton royaume, pour faire connaître ton œuvre dans la région. Oui, Seigneur, permets-nous d'être des enfants de lumière. Permets-nous d'être visibles dans ce monde de ténèbres. Oui, que ces sous servent à te faire connaître, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec Gilles et son message. Bonjour. Étant donné que nous sommes sur la toile, je me présente. Gilles Paquin. Avant, j'étais le pasteur principal de l'Église du Lac-Saint-Louis.
mais depuis le 29 février, je suis maintenant le pasteur associé. Oui, comme Église, nous sommes en transition, mais une transition que nous avions planifiée depuis des années, ce qui n'est pas le cas avec la COVID-19 qui nous frappe de plein fouet présentement. Il a un impact majeur sur nos vies. Nous qui sommes des êtres sociaux, nous sommes obligés de vivre la distanciation sociale, vivre à 2 mètres l'un de l'autre, et même à la quarantaine, au confinement dans nos maisons, nos appartements. Pas facile à vivre, pas facile à vivre. Et j'aimerais vous partager ce matin, en introduction, un verset pour nous encourager à passer au travers de cette période pas facile. C'est 2 Thessaloniciens 3:5. C'est une prière. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous sommes conscients que les mesures demandées par nos autorités lorsque nous les mettons en pratique font en sorte que nous vivons de quoi de particulier, la famille, les enfants ensemble pour une longue période de temps sans pouvoir avoir d'activité extérieure. Fait en sorte qu'il est normal qu'on puisse vivre des tensions à l'intérieur de la maison. Et ce n'est pas pour rien que ce verset-là, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Oui, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, saisir l'amour de Dieu pour vous, vous nourrir de cet amour afin d'être capable d'aimer et ainsi diminuer la pression qui pourrait se créer à l'intérieur des tensions normales dans la situation particulière que nous vivons. Mais aussi, la quarantaine, le confinement, c'est long, au moins jusqu'à Pâques. Donc, on doit aussi meubler notre pensée de la patience de Christ. Premièrement, pensons à la patience de Christ envers nous, mais aussi la patience de Christ envers notre monde qui est indifférent à son amour. Patience qui a pour but le salut du monde qui nous entoure. Et lorsqu'on médite sur cette patience de Christ, nous, tranquillement aussi, on peut devenir patient et être patient dans l'application des directives que nous donnent nos élus. Patience qui contribue à sauver des vies. Et comme dit notre premier ministre, chaque geste compte. Et ces autorités qui sont mises en place, la Bible nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités comme nous soumettons à Dieu qui est souverain au-dessus de ces autorités. Donc se soumettre à eux, c'est se soumettre à Dieu. Honorons Dieu en mettant en pratique les consignes que nos autorités nous donnent. Oui, et dans cette application-là, pas facile, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Mais, malgré toutes nos précautions, il y a de fortes chances que certains d'entre nous soient infectés par le virus de COVID-19. Malgré toutes nos précautions, c'est la réalité. Et nous devons la regarder en face, sans pour autant paniquer ou être effrayé. Comment ça et pourquoi? À cause du Proverbe 16:4 qui nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Ça ne veut pas dire que je comprends le pourquoi, mais l'Éternel a tout fait pour un but. Même le psaume 29:10 nous dit que même lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône, l'Éternel règne éternellement. Dieu règne présentement. Il n'est pas dépassé par les événements. Et il a un but avec ce qui arrive présentement. Dieu est souverain. Et c'est une bonne raison pour ne pas être effrayé par ce virus et ses conséquences. Dieu est souverain. Mais cela ne veut pas dire d'être insouciant
ou d'être rebelle à nos autorités faire à notre tête. Non, au contraire, soyons des modèles dans ce domaine. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de mettre en application les recommandations. De vivre au maximum cet éloignement les uns des autres présentement. Mais aussi merci d'être là, de briser l'isolement en vivant ce temps de communion virtuelle. Et soyons conscients que ce n'est qu'un début, on en a pour plusieurs semaines comme ça. Et nous aurons besoin d'être imaginatifs et solidaires pour bien vivre cette période qui est devant nous. En Corinthiens 10, 31 nous dit, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » De quoi que l'on fasse. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à bien vivre cette période difficile de quarantaine pour combattre ensemble ce virus qui est extrêmement dangereux. Et faisons-le pour la gloire de Dieu. Et pour nous aider à le vivre, à la gloire de Dieu, nous allons lire ensemble le psaume 31, qui nous donne 7 recommandations qui vont nous aider à mieux vivre cette période pour la gloire de Dieu. Parce que c'est presque certain que quelques-uns d'entre nous auront à vivre cette réalité. Ou du moins, nous allons connaître des gens proches de nous qui vont avoir à vivre avec le COVID-19. Donc, comment être encourageant ou comment être nous-mêmes encouragés face à ce virus si dangereux? Donc, on va lire ensemble le psaume 31, une bouchée à la fois. Et on va lire ce psaume en ayant la pensée que si j'étais quelqu'un qui avait la COVID-19 et que là, je lisais ce psaume, comment ce psaume me parlerait, ferait du bien à mon âme. Donc, psaume 31. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Et là, après avoir lu ces versets, il est temps de s'arrêter et de bien les prier. Il est temps de s'arrêter et de bien prier ces versets. Si j'ai la COVID-19 ou si je partage ce psaume à quelqu'un qui a la COVID-19, il est important de s'arrêter et bien le prier. Premièrement, il faut être réaliste. Et il y a des gens qui meurent de la COVID-19 et c'est épeurant. Et ce psaume, on peut commencer ce psaume en disant, « Seigneur, j'ai confiance en toi, mais... » Regardez le psalmiste, ce qu'il dit. « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. » C'est comme si dans ce « que jamais je ne sois déçu », il y a comme un doute qui est là. Donc, pour bien vivre COVID-19, je me dois d'être honnête devant Dieu lorsque je m'approche de lui. Lui exprimer ce que je vis dans mon cœur. D'exprimer ma crainte. Seigneur, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur, la mort est possible et j'ai des craintes. Et Dieu aime que nous soyons honnêtes en sa présence. De toute façon, il connaît ton cœur parfaitement. C'est salutaire pour nous de lui exposer notre situation. Donc, j'exprime mes craintes à Dieu, honnêtement.
Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Et là, il ajoute, délivre-moi dans ta justice. C'est comme si le psalmiste est en train de donner des bonnes raisons à Dieu pour le délivrer de ce qu'il vit. Délivre-moi dans ta justice. Délivre-moi, Seigneur. C'est comme, pourquoi que ça m'arrive? Je suis une bonne personne. C'est souvent, on pense que les mauvaises choses arrivent qu'aux mauvaises personnes, mais même les bonnes personnes leur arrivent des mauvaises choses. Nous vivons au sein d'un monde déchu et nous subissons les conséquences de ce monde déchu. Donc, quand je le vis, je viens devant Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi dans ta justice. C'est comme pas juste que je vive ça, Seigneur. Donc là, quelque part, on pleure devant Dieu notre situation. Je lui exprime même mes angoisses. Le psalmiste dit, Seigneur, tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Secours-moi. C'est comme ce psalmiste dans son angoisse dit, Seigneur, j'en peux plus, priorise-moi, s'il vous plaît. Et là, dans ce déversement de mon cœur devant Dieu, je lui fais connaître mon désir le plus profond, mon besoin d'être sécurisé. Dis, Seigneur, sois mon rocher protecteur. Sois pour moi une forteresse où je trouve le salut. Donc, on se tourne vers Dieu et on l'implore d'être notre sécurité. Donc, dans cette période où je suis honnête devant Dieu, je déverse mon cœur devant lui, je fais part de mes craintes, de mes angoisses et de mon désir profond de vivre la sécurité, parfois il vient qu'on n'a plus de mots, on ne sait plus quoi dire, on est un peu encore troublé en dedans de nous. Et là, il se passe de quoi? Quand on passe honnêtement assez de temps en présence de Dieu. Pour les chrétiens, nous avons tout un privilège. Nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Romains 8, 26 dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On est trop troublé des fois. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce qu'il est en accord avec lui et qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en notre faveur. Lorsque nous, on n'est plus capable, on ne sait pas comment s'exprimer devant Dieu, le Saint-Esprit le fait pour nous. L'Esprit Saint apporte à Dieu nos soupirs inexprimables, les apporte à Dieu le Père. Et là, après un certain temps, il se passe de quoi de spécial? Du doute que nous avions, de l'angoisse que nous avions, jaillit tranquillement une confiance. Et comment cette confiance-là vient? C'est comme si le Saint-Esprit nous rappelle, « Hey, es-tu en train d'oublier qui est Dieu? » Le Saint-Esprit nous rappelle qui est Dieu pour nous redonner la confiance, nous ramener sur le bon chemin finalement de la confiance en Dieu. Le verset 4, il dit quoi? Le psalmiste, après avoir déversé son cœur devant Dieu, là, Saint-Esprit fait une œuvre en lui, là, il peut déclarer, « Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Ah, je remets mon esprit en tes mains, tu me délivres, éternel Dieu de vérité. » Du doute surgit la confiance par le fait que l'Esprit de Dieu nous a à nouveau révélé la personne de Dieu, qui il est. Le Dieu de vérité
transforme nos doutes en confiance. Donc, pour nourrir notre confiance, le deuxième conseil que donne le psaume 31, c'est que je me rappelle des vérités sur qui est Dieu. Se rappeler qui est Dieu. Mais avoir confiance en Dieu est une chose. Mais savoir que faire en est une autre. Mais que fait Dieu encore là dans sa bonté envers nous? Le texte nous dit que Dieu nous conduit et nous dirige et nous sort des pièges dans lesquels on pourrait tomber. Et comme mentionné, nous en aurons peut-être pour des semaines à ne pas pouvoir avoir nos rencontres extraordinaires du dimanche matin en Église. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous conduise, nous dirige pour éviter les pièges que l'ennemi va vouloir mettre sur notre chemin, troubler nos âmes. Mais avançons avec confiance, car notre Dieu est notre protecteur. Mais de savoir que Dieu est notre protecteur ne veut pas dire d'être téméraire, mais d'être confiant dans nos choix, pour le bien de chacun de nous, aussi pour le bien du progrès de l'Évangile, dans nos vies, mais aussi autour de nous. Dieu est notre protecteur, le croyez-vous? Donc Dieu qui est souverain, qu'il a un but dans ce qu'il fait, il nous dit qu'il est notre protecteur, il veille sur nous. Et c'est le Dieu de vérité. Demeurons dans la vérité. Dieu est Dieu, il nous aime, il est souverain, il nous conduit, il nous dirige. Laissons-nous conduire et diriger par lui. Nourrissons-nous de sa parole pour saisir sa direction, sa conduite pour nos vies. Et Jésus lui-même, c'est vraiment intéressant, Jésus, lorsqu'il était en croix, a cité beaucoup de versets des psaumes, psaume 22 et ici même le psaume 31. En croix, la dernière personne qui l'a dit, la dernière parole qu'il a dite, c'est « Je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus est en train de méditer le psaume 31 à ses derniers moments de sa vie. Et sa situation était pas mal pire que la nôtre en ce moment. Et il priait, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Mais c'est intéressant, quelle était la foi de Jésus, Dieu fait homme? Mais que dit le verset? Si je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Dieu de vérité. Et c'est ce que Dieu a fait. Jésus en croix qui portait la juste condamnation de nos péchés. Lui, il avait vécu une vie sans péché. Il n'avait pas d'affaire à mourir, mais il l'a fait par amour pour nous. Mais il avait foi en Dieu qui délivre, ce Dieu de vérité. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est assis dans le ciel maintenant et il règne avec son Père. Il veille sur nous. Même présentement, Jésus intercède pour nous. Wow! Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Le troisième conseil que nous donne le psaume 31 pour nous aider à vivre cette période difficile d'une façon à glorifier Dieu, c'est je veille sur mes pensées pour qu'elles demeurent dans la vérité. Et en ces temps difficiles où nos pensées s'agitent en foule au-dedans de nous et qui peuvent s'affoler, faisons tous les efforts nécessaires pour demeurer dans la vérité. Dieu est vérité. Ne sombrons pas dans la désinformation, dans les théories de complot. Vivons l'entraide et non les débats. C'est important. Soyons attentifs à la direction de Dieu
Il nous conduit pour nous éviter de tomber dans des pièges que l'ennemi de notre âme peut nous mettre sur notre chemin. Nous vivons un temps de réclusion où notre horaire habituel est chamboulé. Et dans ces temps de chamboulement, des fois, le diable peut l'utiliser pour vous faire tomber dans des péchés que vous pensez avoir la victoire avant. Faites attention, veillez, combattez le bon combat de la foi. Tenez ferme, sachant que Dieu est là pour vous guider, vous protéger, veiller sur vous. Et Jean-Philippe, le pasteur principal de l'Église, nous a enseigné il y a quelques semaines que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, avait quand même une joie profonde. Et nous aussi, présentement, nous sommes comme dans une sorte de prison. Et Paul peut avoir une joie profonde parce que le but de sa vie, c'était de voir l'Évangile se répandre. Il voyait que les chrétiens étaient encouragés par Paul, même s'il était emprisonné, ça les stimulait à propager l'Évangile et Paul s'en réjouissait. Parfois, le but de notre vie nous aide à avoir de la joie dans des contextes que bien des gens seraient totalement malheureux. L'apôtre Paul, sa vie, c'était l'Évangile. Et l'Évangile se propageait, les vies étaient transformées par l'Évangile et il était heureux malgré le fait que lui était en prison. Mais ici dans le psaume 31, on ne sait pas exactement c'est quoi le contexte que vivait David. Mais c'est un contexte pas facile selon ce qui est écrit. Verset 8. « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. » Donc, comment bien vivre cette situation difficile de la COVID-19 qu'on vit présentement à la gloire de Dieu? C'est comme David, de savoir que je peux être dans la joie et l'allégresse parce que Dieu voit ma misère. Il connaît les angoisses de mon âme. Ce n'est pas quelque chose qui le rende indifférent. Il voit, il connaît. Dieu voit ma misère, il connaît les angoisses de mon âme. Donc, le quatrième conseil pour bien vivre à la gloire de Dieu, cette situation difficile que nous vivons, c'est reconnaître que Dieu est attentif à mes besoins émotionnels. Il est attentif à mes besoins émotionnels. Il n'en est pas indifférent. Et ça, ça réjouissait le psalmiste. Ça nous réjouisse nous aussi parce que le Dieu Tout-Puissant peut utiliser ça d'une façon spéciale. Il est en train de faire quelque chose avec tout ça. Et pour nous, c'est encore plus vrai que David parce que nous vivons après la venue de Jésus. Jésus qui a vécu sur terre, qui était tenté en toutes choses sans jamais pécher, il connaît les combats de l'être humain, il était parfaitement homme, quoique parfaitement Dieu. Et il a subi l'humiliation de la croix. C'est pour ça que dans Hébreux 4,16, ça nous dit qu'on peut s'approcher de Jésus avec assurance. On peut s'approcher du trône de sa grâce afin d'obtenir compassion et être secouru dans les moments opportuns, comme nous vivons présentement. On peut s'approcher de Dieu pour être secouru. Il est sensible à ce que nous vivons émotionnellement présentement. Donc, n'ayons pas honte de s'approcher de lui. Osons s'approcher de lui. Et comme dans le début du psaume, déverser notre cœur devant lui. Permettre au Saint-Esprit d'amener nos souffrances inexprimables à Dieu et nous rappeler qu'il est la personne de Dieu afin de retrouver finalement ce calme nécessaire pour être capable de bien vivre ce que nous vivons présentement. Oui, quel privilège d'être chrétien. Dieu nous connaît et est tout près de nous. Donc, je serai dans ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Bon, dans les versets qui vont suivre, David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme pécheur, reconnaît ici sa faute.
et les conséquences de sa faute. Il y a des conséquences physiques tellement apparentes que les gens fuient devant lui. Mais j'aimerais qu'on lise ces versets-là en pensant à la personne qui a été infectée par la COVID-19. Pas à cause qu'il est un pécheur, c'est une conséquence à ses péchés. Mais vivons-le. Et regarde, je vais le lire et vous allez voir ce que je veux dire. Et mettez-vous dans la personne que la COVID-19 qui dit ça à Dieu. Dieu, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Et si tu as la COVID-19 en ce moment, tu es dans la détresse. Et même un danger de mort qui te guette. Il dit, j'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute, à cause de mon infection à la COVID-19. Et mes os dépérissent. Et tous mes adversaires ont fait de moi un sujet de honte, de grande honte pour mes voisins. Et je fais peur à mes amis, ceux qui me voient. Dans les rues s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. Et j'apprends même les mauvais propos de plusieurs. Je suis assaillé de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent pour m'enlever la vie. Wow! Ouf! Je ne sais pas quel est l'état de ton âme en ce moment. Je sais qu'une journaliste a fait une expérience il y a 2 semaines, même il y a 3 semaines. Elle avait mis un masque, comme on voit à la télévision. Et là, elle s'est dit que juste le fait d'avoir un masque, le monde fuyait devant elle. On la laissait passer pour aller au guichet automatique. Donc, quelqu'un qui est atteint de la COVID-19 vit beaucoup de difficultés dans son corps, mais aussi socialement. Et si cette crise se prolonge, il y a un réel danger que sans le vouloir, certains d'entre nous pourront se retrouver dans la situation du verset 13. Pas seulement ceux qui sont atteints par le virus, mais même chacun de nous, à cause que nous sommes chacun dans nos maisons, seuls chacun chez nous, dans nos maisons, l'isolement peut faire en sorte que, comme dit le verset 13, « Je suis oublié, effacé de mémoire, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. » Wow! Nous encourageons les leaders d'Église Maison à rester en contact avec les gens qui fréquentent leur Église Maison pour éviter que ça se produise. Mais nous ne sommes pas tous dans les Églises Maison. Donc, s'il vous plaît, prenons le temps d'appeler les gens, de leur envoyer des courriels. Et si le Saint-Esprit vous met à cœur d'appeler quelqu'un, ne remettez pas à plus tard de le faire. Faites-le immédiatement parce qu'il se peut que la personne que cet Esprit vous met à cœur d'appeler vit un découragement et a besoin d'entendre la voix de quelqu'un d'autre pour être restauré, encouragé. De grâce, brisons l'isolement. Nous sommes en confinement, nous avons le temps pour le faire. Oui, mais je ne connais pas la personne. C'est vrai, mais là, c'est une bonne occasion d'apprendre à la connaître. Vous vivez de quoi de pareil tous les deux? Je peux juste dire, salut, c'est Gilles à l'appareil, comment ça va? Comment ça va dans ton véhicule de COVID-19 là, en quarantaine? Et là, la conversation va s'entamer. Et comme Romains 8, 28 dit, Dieu sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu.
Donc, en développant nos liens comme ceux-là, comme jamais auparavant, nous sortirons de cette crise plus unis et plus forts pour faire face aux défis que Dieu nous prépare dans notre marche vers 600 et de la qualité. Donc, vivons en enfants de lumière, en prenant soin les uns des autres. Aimons-nous les uns les autres d'une façon concrète, brisant l'isolement, en prenant le bon vieux téléphone pour nous appeler les uns les autres. Essayez! Donc, le cinquième conseil que le psalmiste nous donne dans le psaume 31, c'est « Je brise l'isolement ». Bon, dans son temps, on ne peut pas dire de façon virtuelle, mais brisons l'isolement. Utilisons le bon vieux téléphone ou de façon virtuelle, brisons l'isolement. Et si tu es encore bien mal à l'aise, voici un conseil qui vient d'aumôniers qui ont de l'expérience, qui disent ceci. Quand tu ne sais pas quoi faire, sois. Quand tu ne sais pas quoi dire, écoute. Et quand tu ne comprends pas, demande. Et dans tout ce que tu fais, aime. Mais dans ce psaume, les versets les plus encourageants sont les versets suivants, 15 et 16. Qui disent ceci, « Mais moi, je me confie en l'Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Oui, j'ai confiance et j'obéis aux recommandations de mes dirigeants. Mais ultimement, c'est en Dieu que je mets ma confiance. Mes destinées sont dans sa main, à lui. C'est lui qui est souverain au-dessus de tout cela. C'est lui qui a un but avec ce qui se passe présentement. Donc, comme chrétien, j'ai l'assurance, et c'est possible que ça arrive, que le COVID-19 provoque ma mort si jamais je suis atteint par ce virus. Mais comme chrétien, j'ai l'assurance qu'après ma mort, je serai avec Dieu, ce qui est de beaucoup le meilleur. Philippiens 1, 23, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Et c'est une certitude, vérité des Écritures. Ce qui m'aide à bien vivre la COVID-19 d'une façon qui glorifie Dieu, et le vivre sereinement, malgré les troubles que ça apporte, c'est que, et c'est le sixième conseil du psaume 31, j'ai une espérance exceptionnelle. J'ai une espérance exceptionnelle. On ne sait pas ce que ce virus, ce qui peut nous arriver avec ce virus. Mais nous ne paniquons pas parce que notre destinée est dans ses mains. Quelle belle assurance, apaisante, mais quel privilège. Ceci m'amène à te poser la question, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu as cette assurance? Jésus a dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est exclusif, Jésus. Il n'y a pas 1000 chemins pour aller au ciel. Un seul chemin, et c'est Jésus. Dans Actes 4:12, ça dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut naître de Dieu. C'est pour ça que dans Actes 16, Paul dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et pour la personne qui a mis sa foi en Jésus comme son sauveur, il sait que ses destinées sont dans les mains de Dieu. Et il peut s'exclamer, comme David au verset 20, « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu cherches refuge en lui? Combien que j'aimerais que ce soit ton privilège à toi, que toi sois de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui le cherchent. Malheureusement, ce n'est pas le lot de ceux qui nous écoutent. Mais Dieu qui fait tout pour un but permet que la crainte que cause ce virus peut t'amener à reconsidérer ce que tu te croyais si solide avant. Et tu vois que tout s'écroule autour. Il est temps de t'appuyer sur une fondation solide. La foi en Jésus, Dieu fait homme, qui a donné sa vie pour toi. Et si tu connais des chrétiens et que tu vois la façon qu'ils vivent cette situation de crise en paix à cause de leur espérance glorieuse, ose leur demander pourquoi tu as cette paix-là, toi. Et si tu es chrétien, sois prêt à partager d'où vient ta paix, de ta foi en Dieu, que tes destinées sont dans sa main, que tu sais que Dieu est près de toi, qu'il est conscient de tes émotions et qu'il veut te venir en aide. Et c'est pour ça que le psalmiste fait conclure ainsi ce psaume, dit « Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi. » J'aimerais que tous, vous qui écoutez ce matin, ce message, vous puissiez dire ça vous aussi. « Béni soit l'Éternel qui a démontré sa grâce envers moi. » Comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, « Oh, je suis chassé loin de ton regard. » Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié à toi. J'aime ce texte. Le psalmiste ose dire que je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. C'est comme si le psalmiste pleurait devant Dieu, quasiment chiolait après Dieu, « Je suis chassé loin de ton regard. » Cette fausse notion qu'il avait. Mais c'est ce qu'il ressentait et il le partageait à Dieu. Et Dieu, comment a-t-il réagi? Il a entendu les supplications du psalmiste. En ce moment, est-ce que Dieu te semble silencieux et lointain? Mais c'est ce que vivait David au début du psaume. Mais quel changement maintenant, transformé par le Saint-Esprit en lui qui a rappelé qui est la personne de Dieu, ce Dieu de vérité. Et là, un coup qui a été transformé, qu'est-ce qu'il fait? Mais il le dit aux autres. Il dit, « Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Donc, le dernier conseil pour vivre bien cette période que nous vivons à la gloire de Dieu, c'est quand Dieu va te consoler, te rassurer, garde pas ça pour toi. Partage-le aux autres, ils en ont besoin. Et c'est ça que je fais ce matin. Je te partage le bien que Dieu
me fait dans cette période. Et le psaume 31 nous donne 7 conseils pour comment bien vivre cette période. Pas facile. 1. Sois honnête devant Dieu. Exprime-lui ce que tu vis, ce que tu ressens véritablement. N'aie pas peur. Dieu aime l'honnêteté, la sincérité. Deuxièmement, lorsque tu vas exprimer devant Dieu, le Saint-Esprit va faire un travail dans ton cœur. Il va venir te rappeler qui est Dieu. C'est bon de se rappeler des vérités sur la personne de Dieu. Troisièmement, veille sur tes pensées. Demeure dans la vérité. En ce moment, il y a toutes sortes de choses qui véhiculent. Veille sur tes pensées. Demeure dans la vérité. Quatrièmement, reconnais que Dieu est attentif à tes besoins émotionnels. Dieu est attentif à tes besoins. Que cela puisse te procurer de la joie de savoir que Dieu est attentif à tes besoins émotionnels. Cinquième conseil, brise l'isolement. Prends le téléphone, appelle quelqu'un. Prends le téléphone, appelle quelqu'un. Sixièmement, si tu es chrétien, tu as une espérance exceptionnelle. Et si tu ne l'as pas encore, je t'encourage maintenant. Dis, Seigneur, sauve-moi dans ta grâce. Je veux vivre cette... Je veux reconnaître que mes destinées sont dans ta main. Je veux vivre cette sécurité-là que les chrétiens ont, cette espérance exceptionnelle. Demande-la à Dieu, par la foi. Si je crois que Jésus en croit, il est vraiment mort pour moi. C'est moi qui méritais ton juste jugement, tellement orgueilleux puis rebelle à toi. Pourtant, toi qui m'as créé, qui m'as aimé, qui as donné ton Fils pour moi, c'est un pardon, sauve-moi, oui, prends ma vie. Enseigne-moi à la vie d'une façon qui te glorifie. Et septièmement, un coup, tu auras goûté les consolations de Dieu, partage-la aux autres. Et en conclusion finale, vous dans cette période trouble, comme dit de Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige ton cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et comme le psaume 31:15, que tu puisses te confier en l'Éternel. Tu puisses dire, oui Éternel, tu es mon Dieu, ma destinée sont dans ta main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore une fois, par grâce, aimons-nous d'une façon concrète, en brisant l'isolement. Appelons-nous. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Oui, la fin du psaume 31 nous dit « Je me confie en toi. Mes destinées sont dans ta main. » Et ça, c'est le Seigneur qui nous dit ça. Et le chant qu'on va chanter ensemble maintenant, avant de se quitter, ça dit « Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et même le troisième couplet, il dit « Toi qui es ferme dans tes sentiments, Dieu t'assure la paix parce que tu te confies en lui. » Dieu nous donne la paix, il est le rocher des siècles, il est celui dans lequel on peut se confier, se réfugier. Il nous donne la paix lorsqu'on se confie en lui. Confiez-vous en lui. Et on va faire quelque chose de spécial. Je vais partir une trame sonore, je vais avoir mes deux mains libres, on va chanter le refrain en faisant des gestes. Je commence, je dis « Confiez-vous en l'Éternel » et à la maison vous répondez « Confiez-vous en l'Éternel. » Vous pouvez me pointer. Vous pouvez pointer vos enfants, votre voisin au bord de la rue, l'encourager à se confier dans l'Éternel. D'accord? Donc, je dis, « Confiez-vous en l'Éternel. » Vous répondez, « Confiez-vous en l'Éternel. » Je dis, « À perpétuité. » Vous répondez en faisant le geste, « À perpétuité. » Je dis, « Car l'Éternel. » Vous répondez, « L'Éternel. » Je dis, « Est le rocher. » Vous répondez, « Est le rocher. » Et ensemble, « Est le rocher des siècles. » C'est bon? On y va. «
Nous avons une vie forte. Dieu nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. L'Éternel, le rocher, le rocher des siècles. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et perpétuité. L'Éternel, le rocher, est le rocher des siècles. Oh, 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 oh. Toi qui es ferme dans tes sentiments, tu t'assures la paix, car tu te confies en lui. Hey, confie-toi en lui. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. L'Éternel est le rocher, est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. L'Éternel, le rocher, est le rocher des siècles. Pendant que la musique joue, on peut frapper dans les mains si on veut. Ou on peut danser en frappant dans les mains, tourner, bouger les bras, bouger les jambes, sauter, dire à son enfant, « Hey, confie-toi dans l'Éternel. Confiez-vous dans l'Éternel. » Alors qu'on va se quitter bientôt, que cette semaine soit à la gloire de Dieu, parce que vous vous confiez en lui. Qu'il puisse vous procurer cette paix que lui seul peut donner, parce que vous vous confiez en lui. Ça vaut la peine de se confier en lui. Il est le rocher. Qu'il puisse être votre rocher cette semaine. Votre rocher des siècles. Soyez bénis. Bonne semaine avec Dieu, avec Jésus, par sa puissance, la puissance de l'Esprit.